Salut, c'est Madame Échantillon. Aujourd'hui, j'ai reçu une enveloppe. Donc, on va découvrir comme d'habitude ce qu'elle contient. C'est parti. Donc, il s'agit... Alors oui, j'avais participé, me semble-t-il, avec TRND. C'était des petites gélules pour les règles douloureuses. Nuractive. Pour les règles douloureuses, effet perçu dès 1 heure pour 93% des utilisatrices. Alors moi, elles sont très douloureuses en fait au début. Voilà, les 2 premiers jours, elles me font vraiment mal. Donc pour le confort menstruel et les crampes abdominales pendant les règles. Donc il y a 30 gélules qui sont d'origine végétale et qui sont composées donc de millefeuille et de camomille. La grande camomille favorise le confort de la femme pendant le cycle menstruel et l'achillée millefeuille aide à apaiser les crampes abdominales périodiques. Donc c'est 1 à 3 gélules par jour selon l'intensité de l'inconfort. À prendre avec un verre d'eau. Il est élu produit de l'année 2022. C'est certifié bio, exclusivement en fait réservé pour les jeunes femmes de plus de 15 ans. Ils sont déconseillés donc pour les femmes enceintes et pour les femmes sous anticoagulants. Utilisés avec un grand verre d'eau la veille ou le premier jour des règles. Alors moi c'est sûr que mes règles depuis la vaccination sont complètement en fait décalées. Avant j'étais vraiment réglée comme une horloge. Et sauf que là, depuis la vaccination, malheureusement, je ne sais plus quand je vais avoir mes règles, combien de temps, etc. Je vais la prendre en fait le premier jour des règles, parce que c'est là où ça me fait le plus mal. Je l'utiliserai lorsque j'aurai mes règles et je vais le tester en fait sur plusieurs mois. Je ferai mon compte rendu donc sur le blog, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous voulez avoir les résultats et son efficacité. Voilà, en tout cas merci TRND et merci la marque Nuractive de m'avoir sélectionné pour tester votre produit contre les règles douloureuses. On se retrouve sur le blog pour le compte rendu et moi je vous dis, j'espère, à très bientôt pour de nouveaux échantillons. Bye bye, c'était Madame Échantillon.